Je suis Dominique Cambianica. Je suis présidente du COMSIR, Comité d'aide humanitaire au peuple syrien, qui existe depuis 2012. Nous portons secours, nous soutenons la population civile syrienne. Nous avons commencé par de l'aide humanitaire d'urgence, de l'aide médicale, et puis petit à petit, avec l'arrivée des familles réfugiées syriennes à Metz, nous avons partagé nos activités en deux parties, donc une partie population syrienne en Syrie et une population famille syrienne à Metz. Voilà. En Syrie, nous aidons la population qui a été évacuée d'Alep et qui se trouve actuellement dans la grande région d'Idlib. C'est une région qui comporte à peu près 3 millions de réfugiés aujourd'hui. Nous sommes en lien avec ce qui est l'équivalent de conseils municipaux dans cette partie de Syrie et nous envoyons des fonds pour acheter de l'eau potable pour les familles réfugiées qui sont sous tente actuellement. Des centaines de milliers de personnes. À Metz, nous soutenons les familles quand elles arrivent, nous les accompagnons dans leur démarche administrative et ensuite nous les aidons à s'installer, à s'intégrer. Nous avons créé plusieurs activités régulières, le Cercle des femmes qui réunit les femmes syriennes à peu près tous les 15 jours autour d'activités d'intégration, d'apprentissage du français, des activités culturelles aussi pour découvrir la ville et toute la richesse culturelle de la région. Et nous avons un jardin solidaire, un jardin partagé qui est offert aux familles pour cultiver des légumes, se réunir, prendre l'air, profiter de la nature. Bonjour, voilà, je me présente, Franco Ciccio, donc chanteur harmoniciste du groupe Me and My Ankle, groupe de folk blues country acoustique qui va se produire donc ce soir à l'aérogare en première partie de soirée, voilà, suivi de deux autres groupes, Professeur Strauss et Tinouk 5.0. Voilà, on est tous les trois, donc tous ces trois groupes ont accepté de participer bénévolement pour cette soirée de soutien au peuple syrien, donc co-organisée par Francofolie et COMSIR. Voilà, Francofolie, je peux en dire un peu quelques mots parce que je suis disons très actif dans cette association qui vient d'être créée il y a quelques mois, une association donc nouvelle sur Metz qui fait essentiellement de l'événementiel, de l'organisation de concerts dans les bars de la ville. Également, je suis prestataire de services dans le sens où je peux proposer au sein de cette association des cours d'harmonica. Voilà. Une association qui existe uniquement depuis quelques mois mais qui est somme toute assez active. Voilà, et on espère vous retrouver, que ce soit avec le groupe Me and My Ankle et avec l'association Francofolie très bientôt. Voilà, merci. Je suis Isabelle Lapazin, dirigeante de l'aérogare. Je travaille avec Hervé Fortner, qui est dirigeant principal de la salle de spectacle, qui a ouvert donc le 28 septembre 2017. L'aérogare, c'est une salle de spectacle. Nous accueillons ce soir bénévolement Song for Syria. L'aérogare s'est déjà engagé bénévolement par le passé avec la vitrine éphémère et de nombreux artistes. Tout un week-end. Également, nous avons eu le plaisir d'accueillir bénévolement un vide dressing avec 40 exposantes. Ce fut un franc succès. Bonjour, je suis Abdel Nasser et Salim. Je travaille la photographe. J'arrive en Syrie. J'habite à Metz. Bonjour, je suis Mohamed Salim. J'ai travaillé la photo avant 30 ans en Syrie et j'habite à Metz.